encore nous, donc on est de retour pour un petit vlog. Donc du coup on va essayer de vous montrer nos deux premières semaines, comment elles se sont passées, et bah, on espère que ça vous plaira. Bye bye. Alors on est mercredi et on a décidé de faire une petite balade dans la ville. Donc voilà, n'est-ce pas Marion? Première visite. Non, je vais pas vous reprendre en Première visite, franchement, c'est plutôt pas mal. On n'est pas très loin de Francoville en plus. Ouais, on n'a pas beaucoup marché. Ouais. Mais bon, il y a un mec. Il y a plein de petits magasins sympas et bah, la ville est plutôt cool. Genre, c'est rassurant. Ouais. C'est pas, ça craint pas du tout. Genre, on aurait pu tomber dans un quartier un peu chaud. Et en fait, non, pas du tout. On est à l'université, donc unique, et on mange notre premier repas, qui est un wrap. Voilà, voilà, c'est intéressant. On n'est pas du tout paumé. Non. Le bureau ouvre à 14h et du coup, bah, on est là. On a une demi-heure encore. C'est très très gros. Non, c'est horrible. On s'habitue. On passe de une salle à 5 bâtiments. Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Marion, la colocataire de rêve. Alors, je vais vous présenter donc Marion. Voilà, enchantée. Qui s'est donc levée plus tôt que moi, bien sûr, pour faire la vaisselle et en plus cuisiner des crêpes. Bien. Si ça, c'est pas le rêve. Eh oui, eh oui. Je ne peux pas s'appeler Marie. On est quand même parti se balader. On va retrouver une Française et une Allemande. Et on va du côté turc. Du coup, bah, on espère que tout va bien se passer et qu'on va pas se faire recaler. Donc, voilà. On est dimanche et on est en plein montage. Voilà, la journée très productive. Appréciez nos têtes. Nos make-up, nos showers aussi. Mais bon. Premier jour à l'université, donc premier cours. Donc, voilà, on va voir comment c'est. J'espère que ce sera bien. On va voir Mario. Très studieuse qui est déjà assise. Cypriot side or 20 minutes, half an hour, I don't know, but I have Hello. Alors aujourd'hui, premier jour à l'université, on est le 29 janvier et on a décidé d'y aller en vélo. Et oui, on sait qu'on est. Ouais, on a mis 40 minutes pour aller à la fac. Ouais, mais on s'est arrêté quand même. Ouais. Et là, bah là, on vient d'avoir le premier cours de grec. Et c'est ça, une horreur. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est-à-dire que bah, déjà, c'est pas le même alphabet. Mais bon, on sait se présenter. Est-ce que Marion, tu nous ferais une petite démo? Mais l'aîné, Marion. Et après, c'est quoi? Iméapotine, Gallia. Gallia, c'est la France. Voilà. Ils appellent ça la Gaule. Ok, très Pourquoi bien. Pas.
Donc voilà, et c'est un début. Ah, et aussi Spoudazo. Spoudazo Turismo. J'étudie le tourisme. Donc yes. On a l'université derrière nous. Voilà. Ça s'annonce compliqué. Riche en émotions. Voilà. Et là, on doit retourner encore 40 minutes de vélo. C'est super. On kiffe notre vie. Voilà. Bon alors, nous sommes mardi toujours. Voilà. Et première sociabilisation pour nous. C'est ça, donc ça veut dire qu'en une semaine, on n'a pas bougé, oui, mais... Chut, on assume. Et du coup, là, on va aller voir un film. Ça s'appelle Movie Night. Enfin, c'est la soirée qui s'appelle Movie Night. Et c'est très très drôle parce que du coup, on est à Chypre et tout. Et on voit quoi ? Amélie Poulain. Voilà. Il est en anglais sous-titré grec. Alors comment vous dire que ça va être, ça va être compliqué. On verra ce que ça donne. Alors, petit flash info du soir. Donc... On vient de revenir avec Marion d'une soirée Erasmus, donc c'était un film dans un café. D'ailleurs, très improbable, c'était Amélie Poulain en français, sous-titré anglais. Tout à fait normal. Donc on marche et tout, puisque ça, c'était à 20 minutes à pied. Et là, on voit trois voitures de police passer. Puis des motos, puis des fourgons, puis des voitures, puis des voitures, puis des voitures. Et au final, 40 voitures qui passent. On sait pas ce que c'est. Il y avait des ambulances, enfin, on sait pas. Donc voilà, c'est très rassurant. Comment se coucher en sûreté. Moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de sortir d'une soirée karaoké pour les Erasmus et c'était fort sympathique. Voilà. Et on a chanté du français. Oui, on a représenté le magnifique pays qu'est la France. On a chanté, attention mesdames et messieurs, Indochine l'aventurier. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous douter de notre la qualité de notre chant, bien sûr. Notre grande performance, évidemment. Voilà. Et non, franchement, les soirées Erasmus, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, une bonne occasion de rencontrer des gens. Et en plus... On a rencontré des Français aussi. Ouais, et mais surtout, ce que j'allais dire, nourriture gratuite. C'est-à-dire buffet à volonté, gratuit. Jusqu'à une certaine heure, mais quand même. On voit pas ça souvent. Donc, c'était... Non, franchement, au début, j'avais des a priori sur cette soirée. Oui. Mais en fait, c'était pas mal et c'est moi qui ai forcé Jess à rester pour chanter. Donc bon, petit dilemme. Voilà. Oui, elle dit ça, mais de base, c'est quand même moi qui ai voulu la faire rester. Hein. Oui, mais au final, c'est moi qui t'ai fait rester parce que madame ne voulait pas chanter en public. Mmh. Donc bon, hein. Enfin bon, on vous met une petite performance. Voilà. Voilà, après. Bye bye. Alors aujourd'hui, grand exploit, on a réussi à aller à la fac en bus pour la première fois. C'est ça. Et donc on est vendredi, oui le dernier jour de la semaine. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, on a enfin capté comment ça marche. Exactement. Donc bah, voilà, bravo à nous. Hein. C'est ça. Voilà.